Dupont, l'été 2010. Ma quoi? L'état Dupont, l'été. Tout ça pour ça. Voilà. Viewpoint, c'est ça. Quoi? C'est ça, Viewpoint. On peut plus. Je suis en train de piquer. Bon, vu que je suis vraiment un Yankee, un petit mec qui me vendait des bijoux, donc je vais vous montrer ce que j'achetais. Un petit collier comme ça que j'avais déjà en Thaïlande mais que j'ai cassé. Je vais le remettre tout de suite. Et un bracelet de cheville que je vais mettre tout de suite. Vous allez voir mes gros pieds. Moi j'aime bien. Un petit collier de perles comme ça. Mais malheureusement, je pense que il ira pas avec lui. Il faudrait que je choisisse ça. Après, ça m'a coûté 3 euros. C'est trop cher, je me suis fait avoir. Une petite dégustation. Oh, j'ai pas la boîte. Elle a pris l'eau. T'en as rien à foutre. Dégustation. Ça tout, ça tout. Merde. C'est où, là, ça? C'est maintenant? Ouais. Oh, c'est bizarre. Ouais, enfin, c'est bizarre. Salé puis sucré. Au début, ça part bien. Au final, ben. Ça goûte de Snickers un peu. Et mic. Ça a goût de matcha? Un peu? Pas du tout. Ah, y'a pas. Tu en dis pas. T'aimes pas. Petit haul, j'ai acheté de l'eau gazeuse pour Winnie. Parce qu'en en fait on n'en trouve pas dans les trucs normaux, mais là j'ai trouvé ça dans un... Donc bref, des Just Shot. Putain, j'en avais pris que deux, je pensais que j'en avais pris plus. Et là j'ai pris ça et cela parce que c'est mes préférés, les grapes. Mais j'en ai une troisième, ah oui là. Un cookie au spéculoos. Et là j'en avais genre 4, c'est de la vache qui rit avec des petits trucs, j'avais trop envie de ça. Voilà. Je vous fais un haul, dégustation encore une fois, comme des Mikado, mais enfin je sais pas si ça s'appelle toujours des Mikado. La Crushed Nuts, on va goûter ça tout de suite. Oh, c'est tout cassé, ça a l'air trop bon. J'adore en ce moment acheter plein de bêtises. Tout à l'heure on a goûté cela, moi j'aime pas. Ça a goût de lait. J'aime pas trop. Ça, ça va. Après, il n'y a que des trucs que je connais. Ça, c'est trop bon. Et ça. Trop bon aussi. Mmh. Ah. Est-ce que c'est aussi bon que dans mes souvenirs ?
aujourd'hui, c'est le jour de faire une laundry. Donc là, j'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de vent. William, il est parti faire une journée de scout et moi je fais une journée tranquille. Donc laundry, préparer le voyage, j'adore faire ça. Parce qu'il faut que je m'organise un petit peu en fait, parce que début juillet je retourne en Australie. Mais il faut que je regarde le prix des vols, on a pu étendre le visa déjà. Et puis voir ce que je fais quand je rentre, parce que lui il rentre en France. Moi je retourne à Melbourne et après l'idée c'est de trouver un travail assez vite. Donc voilà, et ça fait du bien aussi d'avoir une journée pour soi, pour chacun de son côté, chacun fait ses trucs. Laundry, tiens. Fais un sourire. Je pète un câble. Let's go! Ok guys, I think not possible here. Super. Moins de 18. Bah on cherchait comme ça. Sur vous mentez. Thank you.
Et la vue. Ça joue bien. Bon là, on a trouvé une petite route pour monter, elle est toute neuve et donc on s'est dit vas-y on monte, bah regardez la vue, c'est trop beau. C'est magnifique. J'ai pas les mots. Allez, bonne app. Oh. On va te sortir après. Oui. Ah, tu. Ah, mais on voit pas. Wow. Je sais, merci. Faut que je vous dise un truc, aujourd'hui j'ai fait du surf et j'ai réussi à me lever. Trop contente. Et demain on y retourne avec Winnie. Trop hâte. Là on est dans notre intime encore. Pizza. Total burrata. Mais bien. Je surfe avec une planche. Sans liche, tac, je jette l'autre planche. Non, non, attends, déjà. Ça serait trop bien. Faudrait que j'arrive à me lever. Là, on a pris la confiance. On fait du surf depuis 3-4 jours, je sais plus. 4 jours peut-être. Dernier jour, je me suis dit, j'embarque ma caméra. Et on va essayer de faire des vidéos. Sympa! On va prendre des bonnes vagues aujourd'hui.
c'est le calme plat. Il n'y a pas de vague. Mais bon, on va faire avec, hier c'était pareil. Et en gros, on a une nuit gratuite dans un homestay et après on commence le trek et ça dure 3 jours, 2 nuits, on dormira en tente et on monte à 3700 mètres, je crois. Voilà.